va chanter, on sait jamais. Je suis passé devant. Attention, je vais tirer. On va manœuvrer, attention. Comme les détecteurs maintenant. Mais comment vous faites la différence en morse quand vous appuyez pour que ça fasse un écoutez, cri ou un point? Écoutez. Par contre, votre téléphone, à l'heure actuelle, si vous l'avez dans la poche... Là, il va jusqu'où, là, tu là, tu celui-ci ouais. Parce que là, c'est un truc de démonstration. Ah non, non, mais les vrais anciens, là... Là, 40 kilos... On peut avoir une armée réduite à 100 000 hommes. Interdiction d'avoir des chars. Interdiction d'avoir des gaz de combat. Interdiction d'avoir des avions. Ils ont perdu la guerre. Ok, ici, la France orientale est séparée du reste de l'Allemagne. Création d'un nouvel État, la Pologne. Ils sont responsables d'avoir déclenché le premier conflit mondial. Ils doivent payer 132 milliards de marques. Or, c'est-à-dire qu'ils ont payé jusque dans les années 80. Ça fait beaucoup. Bien. 1933, qui est-ce qui arrive au pouvoir en Allemagne? Tu le sais, ça. Parce que là, l'armée était réduite à 100 000 euros. Et que 100 000 euros, il n'y a rien.
rien. Tu ne peux pas attaquer un autre bureau. Un sou de la merde. 1936, c'est pas. De Monsieur Olivier Lefebvre, maire du village. Et on le réfugia chez des amis à Caudry, jusque la libération. Je pense que ce sujet a déjà été évoqué par les articles de presse, ou au 50e ou 40e anniversaire de ces faits, par les petits-enfants de M. Citeau, rapide comme l'éclair, l'abandonnant, sans me dire un mot, fourche et brouette, et pris la poudre d'escampette vers le fond de la cour par les jardins et pâtures. J'en étais désolé pour lui et de rester seul, mais la suite des jours suivants, après qu'il se fut camouflé chez sa sœur et que les Allemands fuyaient, les Américains vinrent s'installer. Et il redevint l'employé de mon père, libéré de la peur d'être reconnu réfractaire au travail obligatoire en Allemagne. Il m'embrassa et me remercia chaleureusement d'avoir contribué à lui sauver sa vie. Nous furent de très grands et bons amis avec Achille Moreau, retrouvant son emploi dans l'industrie à Jeumont. J'en pleurais de joie pour lui, mais aussi de peine d'être séparé de lui.